Dans la ferme, on se pose souvent et on fait marcher tous nos sens. C'est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est des vrais professionnels. C'est pas, on n'est pas là des idéalistes, des utopistes sur une nouvelle agriculture. Non, on se base sur des articles de recherche de ces dernières années pour pratiquer notre agriculture. On est des véritables professionnels et on propose une alternative à ce qui se fait actuellement. Parce qu'à l'heure actuelle, avec le changement climatique, il va falloir réadapter les systèmes agricoles. Et pour cela, il faut partir sur des systèmes en agroécologie. C'est des fermes qui sont en autonomie alimentaire, autonomie au niveau des intrants aussi. Et c'est aussi qui permet de lutter contre le changement climatique aussi. Parce que la ferme, à l'heure actuelle, on a fait un bilan de gaz à effet de serre sur la ferme. Ce bilan-là, il est négatif. Par an, notre ferme, notre méthode de travail permet de capter 200 tonnes de carbone par an. Et on n'émet pas de protoxyde d'azote parce qu'on ne met pas d'engrais chimiques, tout ça. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est 300 fois plus puissant. Ses effets de gaz à effet de serre sont 300 fois plus puissants que le carbone. Et je pense que non seulement pour l'agriculture, ça permettra à l'agriculture d'être sauvée en pratiquant l'agroécologie, ça permet de lutter contre le changement climatique et ça permet aussi de nourrir comme il faut le consommateur. On boucle la chaîne. C'est différent aussi, donc ça permet d'augmenter la biodiversité sur la ferme, ce qui est très important. Commercialisation, une partie on dirait. C'est un fromage particulier, avec un goût particulier, une texture particulière, qu'on ne retrouve pas sur d'autres fabrications de fourme, sans pour autant dire que les autres fabrications ne seront pas de qualité. Mais c'est pas la même qualité, c'est pas le même goût. C'est une partie avec des AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, des crémiers et des restaurateurs. En fait, c'est des gens qui adhèrent au projet de la ferme des Verveines, c'est-à-dire qui veulent défendre une agriculture, l'agroécologie, défendre un prix rémunérateur aussi, ce qui est important, et qui veut sauver des petites races. On parle souvent de biodiversité sauvage, jamais de biodiversité domestique. Et de sauvegarder ces vieilles races permet aussi de sauvegarder la biodiversité. Là, on vient de rentrer dans la fromagerie, dans le sas d'entrée. On va aller dans une partie fourme d'Ambert avec le lait de Ferrandez et une partie crottin avec le lait de brebis, manège tête noire. Voilà, c'est le bleu, oui. Le bleu au lait de Ferrandez. Voilà. Et de l'autre côté? Ben, de l'autre côté, ma maman en met un petit peu. Voilà, et elle fait en ce moment le crottin. On va sceller les fourmes qui ont été faites hier. On les scelle avec du sel de Guérande. On les met à égoutter sur chenon, en bois d'épicéa. Ce qui s'est toujours fait traditionnellement dans la fonte d'Ambert. Et pour la petite histoire, c'est notre bois. On a luné un arbre. C'était un travail avec la lune. Il a été coupé à une lune spécifique au mois de décembre. Après, on a un ami qui est compagnon qui nous a fait les chenons. Vraiment, nous, on essaye d'avoir un... Comme tu as pu voir, j'étais avec les vaches, avec les brebis. Maintenant, je suis avec le fromage. Après, on va l'affiner. En fait, on essaye vraiment d'avoir un suivi à tout point de vue sur l'exploitation du monde vivant. C'est un fromage, c'est des bactéries qui sont nées, des bactéries, des levures qui sont nées sur la ferme. Donc, au même titre que les vaches, elles vont avoir besoin de soins. Donc, il faut en prendre le meilleur soin possible, les mettre dans le meilleur environnement possible pour qu'elles puissent s'épanouir. C'est exactement le même principe que l'élevage de vaches, en réalité, ou de brebis. Il était mis hier. Et celui-là, il y a 5 jours. Après, ils vont être piqués avec la tête piqueuse. Et après, ils vont aller en cave. On va aller faire un tour en cave. Donc, là, pour l'instant, je vais retourner les fourmes. Tous les jours, je les retourne deux fois par jour. Comme ça, elles s'égouttent. Le bois, il permet non seulement de réensemencer la croûte, le fromage, mais en plus, il joue sur l'hygrométrie du fromage. S'il est trop humide, le bois va l'absorber. S'il est trop sec, le bois va restituer de l'eau. Nous, on refait vraiment un fromage de terroir. C'est ce qui s'appelle un terroir. Avant, en France, on avait un plateau de fromage parce que chaque vallée, chaque colline, chaque massif avait son type de prairie. Des prairies volcaniques dans le Puy-de-Dôme, des prairies argileuses, des prairies calcaires, donc avec des herbes différentes. Et dessus, il y avait des animaux différents. Ils étaient comptés 80 populations différentes de vaches avant en France. 80, maintenant il en reste combien? 5, 6? Je crois qu'il est là. Nous voilà dans la cave à bleu. C'est une cave naturelle, en pavage de pierre de Volvic.
C'est une voûte en briques isolée, laine de mouton. Et on retrouve ici notre fameux bois. Les fourmes, elles sont affinées dans la cave, sur bois d'épicéa, et on les retourne régulièrement, une fois par jour au moins. On fait un suivi, on fait un vrai soin d'affinage des fourmes, jusqu'à minimum 28 jours pour avoir l'AOP. Et nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin pour les laisser bien le temps de maturer. Lui, il est vieux, il doit avoir moins de mois d'affinage dans la cave. Et on voit, il est bien persillé et tout. Et puis on voit qu'il s'est bien développé, la croûte est bien développée et tout. Tu veux goûter ? Un quart d'heure, on va décailler. On a une hygiène vraiment parfaite. Voilà. Ici, vous avez les crottins de brebis qui sont en fabrication. Ceux-là ont été faits hier. Pareil, salés au sel de Guérande. Ils ont été moulés il y a un quart d'heure de la traite de hier. C'est magnifique hein, quand même. On sort les bêtes. Oui, même quand il neige. Parce que ça leur fait du bien de marcher dans la neige. Nous, nos animaux, ils essayent d'aller au moins une fois par semaine dehors. Et quand il fait beau comme ça, tous les jours dehors. Très bien. Regarde les belles haies qu'on a sur l'exploitation avec des arbres qui sont centenaires. Et là, les brebis, elles sont juste au-dessus. On a une mare. On a 3 ou 4 mares sur l'exploitation qu'on entretient. On a des zones humides, des murets, des talus. Et on a gardé un système très, très bocager. Ce qui permet d'avoir beaucoup de biodiversité sur la ferme. Et on est très attachés, on a des véritables haies, mais ancestrales. Hein. Les haies, elles protègent les animaux du soleil, du mauvais temps. Elles nourrissent le sol. Elles nourrissent le sol, elles font plein de choses, les haies. Et puis là, je vais te proposer de te montrer 2 choses, Guy. Sur notre gauche, on a enterré ce qui s'appelle une mini-station d'épuration. Toutes les eaux de salle de traite, de fromagerie et de la maison arrivent ici et sont retraitées et ressortent dans une deuxième cuve et l'eau est retraitée, elle n'est plus polluante et on la réutilise pour laver soit les tracteurs, soit arroser le jardin, des choses comme ça. Ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que sur la ferme on n'a aucun rejet de pollution. Et là on a un forage, ça c'est notre forage d'eau. Une eau qui est donc le forage est déclaré en préfecture. On a une autorisation préfectorale pour utiliser cette eau et elle est naturellement pure en fait. C'est quand vous analysez l'eau qui est captée, elle est naturellement pure. Elle a aucun pesticide, aucun métaux lourds, aucun nitrate, elle a rien. Et c'est celle qu'on utilise sur l'exploitation, que les animaux boivent, que je bois, que tout le monde boit et qu'on utilise en fromagerie. Ça ne tarit pas. Non. Elle ne tarit pas. Et sur l'autre site, pareil, on a un forage, pareil, déclaré en préfecture. Un patou, c'est Siam, un patou. Aglaé, qui est les chefs, ce sont des chefs du Massif Central, qui est en voie de disparition aussi. Et derrière, nous avons les brebis, manèges, tête noire, et qui mangent leur petit foin de luzerne, et qui profitent du soleil. Et de la petite pousse d'herbe, elle ne rate pas, la petite pousse d'herbe, là. Tu vois, ça, c'est tout le plaisir du métier. On est nature, on est nature. 8% de notre ADN, 8% de notre ADN vient d'ADN de virus. Les mitochondries qui appartiennent, qui sont dans nos cellules humaines, sont à l'origine des bactéries. On est nature. Ce rapport, ce contact avec la nature, il ne faut pas l'oublier. L'être humain est un animal de la nature. Et il faut essayer de... On n'est plus au-dessus de la nature, c'est fini ça. Il faut comprendre comment on fonctionne, comment s'intégrer dedans pour produire proprement. Et les recherches actuelles montrent des dynamiques d'écosystèmes. Comprendre comment fonctionne un sol, c'est extrêmement compliqué. C'est de la recherche fondamentale, de pointe, tout. Et c'est des articles qui commencent à sortir. Et ça, ça nous permet de travailler beaucoup plus intelligemment. Alors effectivement, j'ai des rendements beaucoup plus faibles, mais à la fin, la résilience de la ferme est extrêmement forte. S'il y a une sécheresse demain, eh ben, moi, j'arriverai à passer la sécheresse. Une ferme qui est en intensif va avoir plus de difficultés parce qu'elle est sous perfusion. L'humidité de la ferme, elle existe parce que j'ai des consommateurs qui comprennent le projet, qui s'impliquent dans les achats de fromage, dans plein de choses, parce que c'est un cycle. L'agroécologie, cette ferme qui est en agroécologie. L'agroécologie, c'est les systèmes, les écosystèmes de la ferme, mais c'est aussi tout ce qui est le circuit de vente derrière. Il faut que les consommateurs soient présents et comprennent ce projet et le soutiennent.
Quand vous achetez mon fromage, vous avez rien d'autre, vous payez rien d'autre, puisque je ne pollue pas. Que si vous achetez un fromage d'un industriel, il y a derrière des pollutions, parce que vous êtes dans un mode industriel. Donc les pollutions, vous allez les payer d'un bio et de santé publique, parce que la ferme de Vervanet en agriculture biologique, moi je vous garantis que mes fromages n'ont aucun résidu chimique, rien. Et ça, c'est extrêmement important. Et se porter mieux et faire porter mieux aussi la planète. Parce que ce n'est pas une question d'être écolo ou pas, hein, les scientifiques sont unanimes, le changement climatique va apporter des tempêtes, des sécheresses, et l'être humain n'en survivra pas, et c'est unanime. Et là, ce matin, à la radio, il disait qu'on était à 1,78 degrés d'élévation de la température sur la planète. Il ne fallait pas dépasser 1,5, sinon c'était réversible. Mais ce n'est pas une question de parti politique, écolo ou pas, c'est une question de survie humaine. Hein. Ça, c'est du foin de luzerne. C'est un complément du foin pour les brebis. Elles ont du foin et du foin de luzerne, les brebis. C'est riche en protéines, ça leur... Et puis elles adorent ça, hein. Très très gourmandes de ça. Là, vous avez un magnifique berger d'Auvergne, Brigand, il est ici, assis. Et donc c'est une race qui a failli disparaître au profit du border collie, à peu près comme tout le monde. Et il y a une petite association de sauvegarde qui s'est montée. Et lui, c'est le 98e chien répertorié dans la race. On fait des foins, des bottes de foin, des petites bottes de foin. Non. Si, on en faisait 8000. Toujours mieux faire. Ben oui, faire du photovoltaïque. Ça serait être autonome en électricité, je suis autonome en eau. Je suis autonome en alimentation de mes animaux. Maintenant, et autonome en électricité. C'est l'avenir. Il y a du bâtiment, là. Ouais, on devrait trouver de la superficie de toiture. Les vaches, c'est pas des vaches qui ont mal aux pieds. Hein. Le jour, elles m'ont tout cassé. Ah ouais, elles m'ont gonflé. Hein. Voilà, je te présente Aubépine. Pourquoi Vervet ? Alors ça, c'est au moins, ça répondra à la question à tout le monde. Non, parce qu'il y a eu un reportage sur le bien-être animal qui a été tourné ici. Et il y avait une vache qui s'appelait Vervaine. Et du coup, tout le monde me demandait, au début, c'est comment va Vervaine. Ça s'est transformé, comment vont les Vervaines. Alors, du coup, c'est la ferme des Vervaines. Et en plus, ça va bien parce que ça fait lever de la tête de brebis. Hein, c'était prédestiné. Oui. Souvent, on va aller voir l'autre là-bas. Ouais. Là, c'est Trésor. Trésor. Brigand ! Brigand ! Tu viens à la maison, viens ici ! Ma titane. Voilà. Voilà. Une Ferrandaise productrice de fourme d'Ambert. Donc à l'origine, c'était les Ferrandaises qui faisaient la fourme d'Ambert dans le département. Elle a bien failli disparaître. Heureusement qu'une association de sauvegarde s'est montée pour sauver ces vaches. Elles font partie du patrimoine du département. Elles font partie de la culture. Et c'est elles qui donnent un goût si particulier à notre fourme d'Ambert aussi. Parce que le lait est quand même différent des laits de vaches productrices. Et puis je trouve que c'est extrêmement important de conserver la biodiversité domestique dans nos fermes. Et ça, on n'y arrivera qu'avec la participation du consommateur. Il faut bien comprendre qu'il est important que ces petites races locales refassent leurs produits d'origine. Et c'est ce qui donne un vrai sens au mot terroir. C'est un fromage de terroir, c'est-à-dire fait dans des prairies naturelles, fait avec des vaches, des animaux locaux, de races locales. Et là, vous donnez toute la typicité du fromage grâce à elle. Tu vois, toute la richesse que c'est d'avoir des animaux de race locale comme ça. On va mettre des millions d'euros pour sauver Versailles et puis on va laisser disparaître ces vieilles races. C'est au consommateur de faire son choix. C'est lui qui décide au final ce qu'il veut. Bon, ben Claire, merci beaucoup. C'était extraordinaire cette journée. Salut Guy, à bientôt. Et on se reverra l'été prochain. La fenaison aussi, il y a quelque chose à dire. Ah oui, et puis on peut même retourner voir les vaches à la montagne.